Aan de commandant van de Leopold 1. Claude Renard, directeur des opérations. Le commandant du Léopold 1 présente son équipage à l'amiral de division Michel Hoffmann, aide-de-camp du roi, commandant de la composante marine et adjoint amiral Benelux. Officieren op u! Plaats! Plaats! Monsieur le Président de la Chambre, Messieurs les amiraux, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente aujourd'hui l'équipage du Léopold 1, ainsi déployé devant vous. Cet équipage est à l'heure actuelle composé de 143 personnes, dont 14 officiers, 71 sous-officiers et 58 volontaires. Vous pourrez noter au sein de celui-ci la présence d'un officier américain, participant à notre programme d'échange avec l'US Navy, il vient tout juste de nous rejoindre. Mais aussi, ce qui est moins visible, est la présence d'un matelot nivellois. Permettez-moi tout d'abord de remercier le bourgmestre de Nivelles, Pierre Huard, pour son accueil et la possibilité qui nous est ainsi offerte d'organiser cette cérémonie sur cette très jolie place, en face de la collégiale de notre ville marraine. Pierre, un tout grand merci d'avoir permis de concrétiser ce qui ne semblait, lors de notre première entrevue, qu'un très lointain projet. Je suis, devrais-je dire, comme régional de l'étape, particulièrement heureux que cette cérémonie de remise de commandement puisse se faire ici, aujourd'hui. Je suis ainsi très reconnaissant à ceux qui ont œuvré pour que cette journée soit une réussite. Je tiens aussi à saluer la présence du président de la Chambre et des amiraux résidant dans le Brabant wallon. Nous sommes très honorés de vous compter parmi nous aujourd'hui, preuve de votre attachement pour le Léopold Ier et des liens qui unissent notre frégate et la marine à la ville de Nivelles.
Garde!